Bonjour toi. Oui, toi qui n'as qu'une hâte, celle d'aller voir le dernier Halloween, mais qui en attendant te contente de te faire frissonner en regardant les jumpscares pourris de la nonne, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'octobre, que dois-tu absolument voir dans les salles? Halloween, oui, mais surtout l'amour flou. Honnêtement, je me pousse des fois à voir des films que je n'ai pas très envie de voir, par pure envie d'être surpris, de pouvoir enfin voir une petite perle sortir de nulle part, et me proposer un voyage unique et sensible au cœur d'un univers conçu par un auteur passionné et surtout emmené par une histoire entraînante. J'étais très réticent à l'idée d'aller voir le film de Rebo et Boringer. J'étais conquis en sortant de la salle. C'est littéralement un petit bijou de 7e art, une œuvre fascinante et entraînante, un ovni totalement assumé et jubilatoire qui joue avec le réel et avec la fiction. C'est tout simplement un de mes coups de cœur de l'année 2018, que ce soit en termes d'histoire et en termes de réalisation. Le film m'a conquis dès son générique d'introduction, sur du Michel Delpech en plus, mais c'est allé bien au-delà de ça, heureusement. La poésie humaniste qui se dégage de chaque image du métrage suffit à passionner totalement le spectateur, à le rendre amoureux de ses personnages et à ne demander qu'une seule chose par la suite, de mieux apprendre à les connaître et de presque souhaiter les revoir au cinéma dans d'autres aventures. Car il semble indéniable que Rebo et Boringer assument totalement cette idée de jouer avec leur vie et d'accepter de jouer par là même avec le spectateur. Et c'est en cela que cette réalisation s'impose de tout son long comme un petit bijou de réalisme farceur, de comique sensible et de gags subtilement amenés par un jeu total avec la place des acteurs slash personnages. J'aime ce film pour cette raison et pour des milliers d'autres, mais également pour celle tout simplement de ne pas savoir où commence la fiction et où se termine la réalité. On pourrait se limiter à cela, mais il y a tellement d'autres choses qui rendent ce film passionnant. Ce jeu si élégant avec la construction d'un casting secondaire sublime et marquant, cette passion pour l'interprétation exagérée qui rend le tout magnifiquement jubilatoire, la place de ces enfants si joliment amenée au fil du récit. On est face à une œuvre qui prend toujours conscience de la place dans laquelle se trouve le spectateur et qui choisit par là même de ne pas simplement se limiter à une simple justement posture d'admirateur du gag, mais qui l'incite également à se plonger totalement dans cette histoire et imaginer presque les possibilités d'un univers totalement allumé, mais si proche de nous également. Vous l'aurez compris donc, foncez voir L'Amour Flou, c'est une petite perle qui se déguste avec tout le monde et par tous et qui ne doit en rien au monde être changée d'un iota, tellement c'est magique.